Ouais les gars, ça fait un moment que j'ai pas joué, ça doit faire depuis août que j'ai pas vraiment joué sérieusement. Là je ne fais que reprendre. Hein. Bon, je sais pas du tout c'est quoi le perso, je me suis j'ai lancé. Je pense que je vais perdre parce que j'ai vraiment dû perdre beaucoup de niveaux. Tout ce qui est BTG, tout ça, j'ai dû tout perdre quoi. Mais bon, ça se reprend évidemment. Avant d'arrêter, j'étais sur des moves là assez personnels. Tout ce qui était bouclier tempo. Machin truc et tout. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Ouais, il va aller nous tacler quand même. Je peux pop ici, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et lui derrière, il a un mouvement comme ça. Je pense qu'on va faire ça. Tac, hop. Et du coup, derrière, on peut aller l'attraper comme ça. Je pense qu'on va vraiment maintenir la pression. Voilà, là, ça lui colle déjà un petit 1000. Évidemment, derrière il peut toxine, pesanteur et tout. De toute façon, il peut tout faire. C'est un Sramerfeu. Il peut tout faire. J'ai 320 points de bouclier. Ok, là j'en ai beaucoup plus. 526. Avec l'érosion, de toute façon, voilà quoi. Ok, en plus il doit jouer terre spam baguette. Donc ça doit être super dur. J'ai pas trop regardé ce qu'il me faisait comme dégâts. Ouais, c'est ça. Du coup, il fait exprès de m'enlever toute ma force. Un petit peu relou quoi. Bah, on va mettre un Schaffer. J'ai pas envie de donner la synchro. Et la synchro, on va vraiment la mettre là. Ça, on va faire comme ça. Hop. Comme ça, vraiment, tu sais, c'est à lui de choisir qu'est-ce qu'il veut prendre. Et on va plutôt mettre une caote ici parce que les. Le compi, je pourrais le mettre prochain tour, quoi qu'il arrive. Mais la caote, voilà, ça, c'est un support en plus. Et du coup, ça. Comment dire? Ça rapproche un peu plus le cooldown pour quand j'en aurai besoin. Puis elle n'est pas déplaçable et tout, c'est sympa. Donc là, où est-ce qu'il est? Il est ici. On va mettre les animes, je pense, même si je reprends le jeu et tout. Ça peut voir où est-ce qu'ils utilisent les pièges. C'est dommage de devoir mettre les animations pour faire ça. Il a fait 5-1. Donc c'est-à-dire qu'il a fait 5, quoi. Je pourrais tenter une TP là et un flou ici. Hein. Ouais, il est là-dedans. Ok. Du coup, alors là on va faire comme ça, tac. Hop. Et on va gérer un petit peu cet ivoire là. Ok, donc deux attaques. Je pense. Ouais, je pense un petit rayon quand même, c'est pas mal. Et puis ça me semble ok de rester au cac. Sera-t-il taclé? Ouais, il est taclé. Ok, bah fosse commune. Bon là je pouvais pas trop empêcher ça hein, malheureusement. Bon là il va m'enlever toute la force. C'est un petit peu chiant. J'ai qu'il a beaucoup de reste. Après l'avantage c'est que du coup là il a pas de. Il a pas son vieux machin quoi. Bah, tu sais quoi? Genre là je me verrais bien mettre un coup de cac. Parce qu'en soi lui il me fait zéro peur. Genre faire ça, hop. Tac. Et vu qu'il en retourne de flou, on se taille. Voilà. Le chaffeur va là son cac, ça va le bloquer. Il peut pas me toucher, il en retourne de flou. Certes, il a 15 PA, mais du coup, faut qu'il aille m'attraper. Et moi, le prochain, bah, je suis toujours bien. Hein. Je suis full life. Et du coup, il peut pas non plus profiter de cette érosion. Après, peut-être que là, il peut mettre des pièges, là, hein, s'il en a envie. Ouais, je pense que moi, j'aurais mis des pièges et je me serais débrouillé pour aller ici, mettre une chakra. Ça aurait été sympa. Faut voir. Mais bon là du coup il est en 12 PA, il a distance. Ok, il met un petit funeste. Il aurait pu du coup un funeste ici quoi sans doute. C'est plus optique comme ça m'éloigne et du coup les miens sont là. Ok. Là il doit être ici le machin. Mais on va en profiter du coup. On va en profiter. Hop. Ce qu'on va faire c'est que on va aller là. On va faire souvenir. Rayon, rollback. Il y a un senti? Il n'y a pas de senti. Rayon. Le chasseur il déloque.
Il a la vie prochain tour. Bon, le chasseur a pas des locks, mais il me tue jamais là. Enfin, genre, s'il me tue, y a un petit souci, je pense. J'ai forgé l'œuf caprique et tout, j'ai 50%. Après, ouais, il a encore l'extorsion. Ouais, bon, je suis mort, je pense. Non? Non. Ça, c'est. Ouais, ça, c'est horrible. En fait, là, il fait ça pour récupérer son. Pour avoir tacheté plus baguette. Par contre, il aurait jamais dû faire ça. Parce que du coup, je vais pouvoir le tuer en fait grâce à ça. Mais il aurait pas dû. Hein. Bon, c'est mon premier match de reprise, donc c'est très dur pour moi, personnellement. Mais voilà. Tac, on va faire ça. En fait, qu'est-ce qui se passe là? Hop. Ça va me permettre, regarde, de faire ça. Hop. Ensuite, de prendre le souvenir sur lui. Et ensuite, de faire ça. On va être GG quand même, ce qu'il nous l'a dit. Puis bien joué à José. Bon, c'était pas. Je pense qu'il y avait beaucoup d'erreurs, hein, vu que je viens de reprendre après. Bah, 4 mois, quoi, de pause. Mais ça va, tu vois, c'est pas non plus la mort, je me débrouille assez bien. Mais bon, c'était pas fou non plus, tu vois. J'aurais peut-être pu faire mieux sur certains trucs. Bon, en tout cas, là, je vois que chez l'Exel, là, c'est. Bon, je viens de dépasser une fille en faisant un combat, mais ça prouve bien qu'il. Enfin, vous foutez rien d'Exel, là, qu'est-ce qui se passe, là? Ça, c'était mes mules fun, elles sont encore ici. Si je me mets à jouer sérieux et que je focus, je pense que je monte dans les 5000, 5100. Faudrait un petit peu se bouger le popotin là, tous les petits Xels là. Évidemment, genre, je dis ça en charriant, tu vois, c'est pas. Genre, enfin, c'est pas tout le monde qui a le temps de jouer à mort comme ça et tout. Enfin, je veux dire. Évidemment, faut être bon et tout, mais il faut aussi du temps de jeu. Et par exemple, là, je peux pas jouer, tu vois, donc je peux pas faire mes 5100 habituels. Mais il y a des Xels quand même qui jouent là, il faudrait se lancer un petit peu. Il y en a plein là qui ont du potentiel. Beaucoup de monde. Moi, je crois en vous. On va regarder un petit peu les autres classes pour voir où en est l'activité. Ouais, tu vois, pareil, sabot, genre. Les ZK, ils font rien. Une fille, c'est quoi ça là? Qu'est-ce que tu fais? Genre, méta précédente, une fille, il me semble qu'en EK, il était monté aux 5000. Là, c'est vraiment la retraite. Hein. Je pense que tout le monde est lassé du 1v5 à cause des nouvelles maps, à cause de tout ça. Les Yop, ils ont même pas les 4900. Ils ont même pas les 4900. Les... Enfin, c'est vraiment. Je sais pas ce qui s'est passé. Soit ils ont vraiment niqué l'appareil des cracks 4800, c'est quoi ça? Je pense qu'ils ont. Ils ont trop démonté le matchmaking. Et plus les nouvelles maps dégueulasses, y'a plus personne qui a envie de jouer en fait. Théma, regarde ça dit. C'est que des 199? C'est quoi ça? Genre, le premier Sadi, il a 4800. À l'époque où il avait l'ancien matchmaking, le premier Sadi, il avait 5100. Je parle de niveau 200. Et bah c'était Bloomer, donc il y avait vraiment des très bons joueurs. Ouais, les Oza, pareil, 4600 limite, tu vois. Enfin, c'est. Les Zenus, je sais pas ce qui s'est passé. Il n'y a que les SRAM qui jouent en fait. En même temps, bon, ils ont les maps, donc ils sont contents. Mais même l'Exel, il devrait être content, tu vois. Genre, l'Exel, ça joue pas, enfin, c'est. Je sais pas. Et là, regarde, je suis à 4700. J'ai lancé depuis. Ça doit faire 15 minutes. J'ai pas de combat, je sais pas ce qu'ils ont foutu en cam. Hein. C'était mieux avant. C'était bien mieux avant. Alors peut-être que c'est ça finalement, peut-être qu'il n'y a plus de combat en fait, et du coup ça sert à rien de monter, enfin je sais pas. Je verrai ça pendant les vacances de Noël, normalement l'activité devrait reprendre, donc c'est pas forcément. Enfin je veux dire, ça c'est pas la même situation du coup. Mais là, le jeu il est mort, hein. Enfin le 1v5 il est mort en tout cas, c'est un peu dommage. Ça me fait de la peine un peu parce que genre là. Bon, moi j'avais mes euros pendant 2 semaines, quand je parle de ma vie. Mais là, je reviens, Théma, les steamers, ils jouent plus, frérot. Enfin, limite, faut jouer 199 pour s'amuser, je pense. Hein. Enfin, je pense que c'est ce qu'on va faire. Hein. Ward, pareil, je l'ai toujours vu à 5000, 5100. Ça fait quoi? Ça fait un mois qu'il y a eu le reset. C'est mort. La Quinta, pareil. Enfin, franchement, c'est. Je sais pas. Il y a que les Ouji qui ont plus de cotes que d'habitude, j'ai l'impression. Normalement, ils sont à 4600, 4005. Bon. C'est décédé un petit peu là, c'est dommage. Finalement, il n'y a que les SRAM et les OG qui s'en sortent bien. Et encore les SRAM peuvent faire mieux, je pense. Mais ouais, là j'ai lancé, je suis tombé sur lui, il est plutôt bien classé, ça va. C'était un bon combat de reprise, mais je pense que j'ai fait trop d'erreurs, quoi, clairement. Voyons un petit peu les SRAM, qui c'est qu'il y a. Oh, un combat!
Enfin. Ok, un sacrieur. Alors j'ai pas. J'ai pas de crocobure, je crois. Ça va être compliqué si je veux jouer CAC. Donc pourquoi pas se la jouer comme ça finalement, hein. En full DP assistance. Ou alors en mode horloge. Mais je sais plus c'est quoi les restes. Je crois que ouais, c'est les restes terre qui manquent sur le mode horloge. Ça risque d'être compliqué un petit peu hein, si je me la mets, si je me la joue comme ça. Je pense que le mode décache est pas mal. À mon avis, l'Exel en ce moment doit jouer retrait. Donc le mec va avoir full esquive. Je pense pendu, je m'en sors mieux. Vas-y. Vas-y, let's go. De toute façon, on est là pour reprendre tranquillement. On n'est pas là pour faire machin truc. Alors, on est contre un monsieur qui est full terre, je crois. Ouais, il est full terre. Croco. Saint-Chi. Ça va être compliqué. Hein. Ça va être très compliqué. Mais, sincèrement, je me vois bien gagner. Enfin, genre, à méditer. Hop. Tac. Je pense que comme il n'y a pas de mutile, on va vraiment tout lui envoyer, tes deux, là. Hop. Je vais lui dire, je joue pour le fun. Petite reprise, le boss. Bon. Alors. Déjà, il joue pénitence. Ça, c'est très intéressant. C'est très, très intéressant à savoir. Et là, ensuite, il joue riposte. Ok. Donc, il a une croco, ça, c'est sûr. Maintenant, qu'est-ce que je fais pour l'éloigner? Ça, c'est l'autre question. Donc, déjà, si je mets un nouveau complice, il devrait pas y avoir de soucis. Je suis un petit peu con, hein, j'avais pas vu ça. J'avais pas vu ça comme ça, du coup, ça tape. Après, ça fait ça, ok. Tac-tac. Je pense que. On va faire comme ça. Donc, là, comment il va faire pour m'attraper? Finalement, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal, je m'en sors bien. Parce que du coup, il a pas de. Enfin, le pivot, le seul pivot disponible est là. Faudrait qu'il fasse projection. Il serait là, il lui resterait 6. Ouais, non, il peut pas. Enfin, il va faire ici, du coup, ok, projection ici. Un coup de baguette, du coup, non? Ah non, mais il joue croco, je suis con. Donc, ouais, je vois pas trop comment il va se débrouiller là. Finalement, je pense que je peux m'en sortir avec une bonne synchro. Ok, ouais, il joue la pesanteur contre ça, c'est chiant. C'est très très chiant parce que. Ouais, ça c'est complètement relou. Et il a pris du soin aussi, il a pris de là le soin. Faut que je prenne un TLF synchro là, c'est obligé. Tac. On va faire ça. On va faire ça comme ça. On va prendre un petit truc là. Et même s'il peut toujours accéder à mon cac et tout, c'est pas très grave, vous en faites pas. Donc. Là, ce tour-ci, synchro direct. Sauf s'il me pilori. Là, ce serait très bien jouer le pilori. S'il me pilori, il a gagné. Genre, deux tours d'affilée pesanteur avec un sacri à ton cac, comme ça, c'est perdu d'avance. Non, il se pilori lui, du coup, bah, c'est pas plus mal pour moi finalement. Je pense pouvoir m'en sortir ce tour-ci au moins. Là, je vais faire ça comme ça pour revenir. Attention, j'ai si je fais ça, j'aurai pas le rollback prochain. Donc, ouais, on va faire comme ça. Hop. On va faire ça comme ça. Tac. On va se boubou tempo. Flou. Petite primo ici. Tu sais quoi, vas-y, on va se mettre vraiment Gucci. Hop. Là, il va. En fait, il va sans doute cop la synchro pour venir me choper. J'ai le boubou tempo, j'ai la primo, j'ai la synchro. Je suis très très bien. En gros, j'ai trois axes. Normalement, on en a deux en tant qu'Exile. Là, j'en ai trois. Comment je vais me débrouiller, on va voir. Donc là, il a libation. Donc prochain, il prévoit peut-être de châtiment. Ce serait intéressant de tenter de kill ce tour-ci, mais je pense pas pouvoir le faire. Ouais, ça risque d'être compliqué pour faire ça. Ok, quoique. Je pense son placement là, c'est une énorme erreur. Du coup, attends. On va gla, complice, pendule, et cache, et ça passe. C'était compliqué, c'était compliqué.
Je pense que sincèrement, s'il m'avait pilori, il aurait gagné. Parce que sur un mode intouchable comme ça, le Sacri, sur une telle map, il a gagné. Mais c'était pas plus mal du coup, donc voilà. Bon, voilà deux matchs de reprise, là, c'est vraiment pas sérieux. J'ai pas de coco, j'ai rien comme stuff. C'est vraiment un mode fun. Mais là, j'ai juste fait ça comme ça, quoi. C'est pas du tout. Il y a des erreurs de partout, à mon avis. Si vraiment, avec un vrai point de vue tryhard, je regarde mes tours, je pense qu'il y a beaucoup d'erreurs. Mais bon, c'est pas très grave, tu vois. Genre, le but, c'est de s'amuser pour le moment. On reprendra le tryhard des mecs Xel à fond pendant les vacances de Noël. J'ai un tas de modes à tester. Là, j'ai les taureaux, donc j'essaie de vous faire des petites vidéos quand même de temps en temps comme ça, si ça peut vous plaire. Franchement, ça me fait. Je veux vraiment vous faire plaisir et vous mettre quand même des belles games. Mais j'ai pas le niveau avant la rentrée, tu vois. Genre, avant la rentrée, c'était vraiment énervé. C'est là où j'ai fait le plus de moves et où. Bah, d'ailleurs, il y a la vidéo move qui sortira pendant les vacances de Noël aussi. Je m'en occuperai, je ferai le montage. Donc voilà. Au final, c'est une vidéo aussi pour parler avec vous, tu vois, parce que c'est vrai que je parle pas trop avec vous vu que je fais pas de live. J'aimerais beaucoup discuter en direct avec vous. Mais du coup, voilà. Et ensuite, il y avait un autre truc que je voulais dire. Ouais, pour du coup, des vrais combats tryhard. Même si j'ai dû oublier quelques techniques, mais voilà, normalement ça va en revoyant. Tu sais, c'est la mémoire, tu vois, ça reviendra. Je vous posterai les combats que j'ai fait du coup avant la rentrée ou même un petit peu pendant, parce que j'avais pas beaucoup de cours. Et je vous mettrai vraiment des combats très tryhard, donc j'en ai contre des top laders qui sont vraiment excellents, où il y a des techniques et des modes un peu spéciaux que j'ai jamais vraiment expliqué en vidéo. Donc voilà, il y aura aussi le tuto Xelor comment devenir le meilleur, bon, entre guillemets, tu vois, avec BTG, ce que j'ai jamais expliqué vraiment, genre pour vraiment maîtriser le truc à fond. Donc ça. Même pour faire le tuto, va falloir que je traîne un peu avant parce que genre c'est des trucs que j'oublie assez. Enfin, c'est tellement complexe que tu peux oublier. Mais voilà, si une fois que tu t'en rappelles, tu sais, une fois que t'as repratiqué et tout, ça va bien. C'est comme les paradoxes, tout ça, tu vois. Genre le tout premier après, je sais pas, 6 mois d'absence, forcément, ça va être bizarre un peu. Mais à la reprise, ça sera. Enfin, tu sais, après la reprise et tout, ça sera beaucoup plus flex. Mais voilà. Du coup, bah, je vous souhaite une bonne semaine. Pour ceux qui ont des examens, bah, bonne chance. Pour ceux qui travaillent, bon courage, hein, c'est très dur. Il y a l'hiver qui approche et tout. On est un petit peu plus fatigué. Et du coup, bah, bisous les gars.